ministre au palais de la présidence, conseil qui s'est achevé donc à 14h15 pour être précis, sous la présence de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion, vous le savez, désormais a porté sur l'adoption de mesures générales, une quinzaine environ, dont deux projets de loi et de mesures individuelles et donc de communication, diverses communications, je dirais, un peu plus d'une demi-douzaine. Je voudrais à présent donc vous faire l'économie des différents textes qui ont été adoptés, en commençant bien sûr par les projets de loi au titre des mesures, dans le cadre des mesures générales. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté deux projets de loi. Le premier relatif à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage et le second porte sur l'intervention des juridictions nationales en matière de médiation. Notre pays, en 2012, avait adopté des textes en matière d'intervention des juridictions nationales en termes d'arbitrage. Et en 2014, on en avait adopté un pour ce qui concernait donc les médiations. Il apparaissait ici important de nous adapter donc au texte donc de l'OADA, donc l'Organisation de l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, et c'est seulement en 2017 que l'OADA s'est réuni, que le Conseil des ministres de l'OADA s'est réuni. Il nous fallait donc mettre en conformité les textes que nous avions adoptés en 2012 pour ce qui concerne l'arbitrage et en 2014 pour ce qui concerne la médiation avec les dispositions arrêtées par le Conseil des ministres donc de l'OADA. C'est ce que nous avons fait au cours du Conseil donc, d'aujourd'hui. Donc, ces deux projets de loi visent la mise en conformité de nos textes nationaux avec les décisions du Conseil des ministres de l'OADA et déterminent donc les juridictions nationales compétentes en matière de médiation et d'arbitrage et en organisent en même temps donc les procédures. Nous avons adopté également au cours de ce Conseil des ministres des projets de décret. Le Conseil, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, la diaspora, en liaison donc avec les ministères concernés, a adopté donc quatre décrets. Le premier porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 8 800 000 euros, soit 5 772 421 600 francs, conclu le 4 juin 2022 entre la République de Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d'aménagement hydro-agricole des régions du Haut-Sassandra, du Fromager, en République, bien sûr, donc de Côte d'Ivoire. Le deuxième décret porte sur la ratification de l'accord cadre de vente à tempérament d'un montant de 26 340 000 euros, soit 17 277 907 380 francs, conclu le 4 juin 2022 entre la République de Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement, également pour le financement du projet d'aménagement hydro-agricole des régions du Haut-Sassandra et du Fromager. Ce projet vise à contribuer à l'augmentation des revenus des acteurs de la chaîne de valeur du riz et globalement à soutenir la sécurité alimentaire dans notre pays. Il a spécifiquement pour objet de créer à la fois des meilleures conditions de production, de transformation et de commercialisation du riz, des produits maraîchers et des produits de la pêche avec l'implication des opérateurs privés et des communautés rurales, notamment les femmes et les jeunes. Le financement du objet de ces deux accords permettra de consolider les phases 1 et phase 2 de ce premier projet
avec notamment l'aménagement de 812 hectares supplémentaires. Les phases 1 et phase 2 avaient permis donc d'aménager environ 800 hectares également, soit un total de 1600 hectares de terres arables aménagées. Tel est l'objectif donc de ce projet-là. Le troisième décret porte sur la ratification de l'accord cadre de vente à tempérament d'un montant de 115 millions d'euros, soit 75 milliards 435 millions 55 000, conclu le 4 juin 2022 entre la République de Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet d'appui au développement de l'université d'Odjené, chef-lieu du district du Kabadougou dans le nord-ouest du pays. Prévu sur une superficie de 83,4 000 mètres carrés, avec notamment des blocs d'enseignants, des blocs administratifs, des foyers et un système de transport interne, l'université d'Odjené sera spécialisée dans les domaines des sciences vétérinaires, des techniques de commerce et de gestion. Ce nouveau pôle universitaire permettra de renforcer le développement du capital humain et de l'économie nationale avec l'amélioration de l'accès à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de l'offre de l'enseignement supérieur. Et enfin, le quatrième décret concerne la ratification de l'accord cadre de vente à tempérament d'un montant total de 47 millions d'euros, soit 30 milliards 829 millions 979 000, conclu le 4 juin 2022 entre la République de Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement, la BID, pour le financement du projet intégré de nutrition et de développement de la petite enfance. Ce projet vise à réduire de façon significative les retards de croissance, donc de 5% chez les enfants de 0 à 59 mois dans les 12 régions sanitaires du pays, dans le centre-nord, le Nzi, le sud-ouest, l'ouest et le sud-est et le Grand Abidjan. Il permettra de renforcer le développement de la petite enfance, la qualité de l'offre de soins et des actions nutritionnelles et soutenir la disponibilité d'aliments diversifiés. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret portant désignation de l'autorité nationale chargée d'apposer la formule exécutoire en termes chargée d'apposer la formule exécutoire en vertu des règlements de procédure et d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage. En vertu donc de ce décret, cette charge est désormais conférée au directeur des affaires civiles et pénales du ministère de la Justice. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret fixant la composition numérique des conseils des 12 districts autonomes créés, vous vous en souviendrez, en juin 2021. Ce décret intervient en application donc de la loi du 5 août 2014 portant mode de création, attribution, organisation et fonctionnement du district autonome qui fixe le nombre de conseillers au maximum à 42 conseillers pour chacun des 12 districts autonomes. Il fixe également la composition numérique des 12 conseils de district autonomes suivant les modalités, les clés de répartition des conseillers définies par la loi, à savoir un tiers composé de personnes représentative des activités économiques, sociales, culturelles et scientifiques du district autonome, et deux tiers désignés au sein des conseils municipaux et des conseils régionaux des entités décentralisées qui concernent les districts. Le détail de la répartition des conseils de district autonome sera diffusé par voie de presse. Au titre du ministère de la Construction, du logement et de l'urbanisme,
en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique d'une parcelle de 60 hectares, 30 ares et 15 centiares, 6 à Akoupé Zeudi, PK24, dans la commune d'Anyama. Ce décret étend la zone industrielle Akoupé Zeudi, PK24, d'une superficie de 940 hectares en vue de répondre à la forte sollicitation des terrains industriels. Les détenteurs de droits coutumiers et de titres définitifs de propriété sur les emprises du projet, les locataires ou leurs ayants droit percevront une indemnisation selon la réglementation en vigueur. Aussi, toute transaction, toute construction nouvelle, même précaire, tous travaux de nature à modifier l'état du sol portant sur cette zone sont interdits. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État et en liaison avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant nomenclature budgétaire des collectivités territoriales et des districts autonomes. Ce décret intervient en complément de la transposition de la directive de l'UEMOA portant régime financier des collectivités territoriales et précise le cadre de modernisation du régime budgétaire des collectivités territoriales, les dotant ainsi d'un cadre de gestion transparent, efficace et rigoureux. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, le Conseil a adopté un décret autorisant la cession d'une participation de 9,95% détenue par l'État dans le capital de la société Orange Côte d'Ivoire, OCI, à travers la Bourse régionale des valeurs mobilières, donc la BRVM. Cela représente 14 990 207 actions au prix de 9 500 francs l'action. 9 500 francs CFA l'action. Il faut préciser que 80% de ces parts de l'État est réservé aux nationaux ivoiriens. C'est le lieu donc d'encourager les nationaux ivoiriens à souscrire et cette mesure vise en tout cas à favoriser l'accès des investisseurs nationaux à l'épargne par des placements à la BRVM en vue de soutenir l'économie nationale. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier porte sur l'aménagement des modalités de paiement de la redevance d'occupation des terrains industriels pour les industriels transformant le bois de grume. Le second porte, quant à lui, sur l'aménagement du montant de la redevance industrielle en zone industrielle de Bonnois et de Grand Bassam. Ces deux décrets concourent à réduire le montant de la redevance d'occupation des terrains industriels au profit des industries installées dans les zones industrielles des localités de Bonnois et de Grand Bassam, ainsi que des industries du bois de grume en vue de favoriser le déploiement d'infrastructures industrielles dans ces zones et de maintenir la compétitivité du tissu industriel du bois de grume. Au titre du ministère de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant modalité d'application de la loi du 24 mars 2014 portant statut de pupille de la nation. Vous le savez, cette loi elle a été adoptée en 2014, mais sans décret d'application, il était difficile de la mettre en œuvre. Et donc, le décret qui vient d'être adopté vient justement régler les conditions d'application de cette loi-là. C'est un décret qui définit les conditions de l'acquisition de la qualité de pupille de la nation, le contenu de l'aide et de l'assistance, ainsi que les modalités de la prise en charge des mineurs
ayant le statut de pupille de la nation, de façon à renforcer l'engagement des citoyens en général et des forces de défense et de sécurité en particulier, à servir leur pays, quel que soit le contexte sécuritaire ou sanitaire. Je voudrais à présent évoquer avec vous les mesures individuelles. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté les organigrammes de 7 départements ministériels ainsi que les propositions de nomination dans 8 départements et de nomination également dans 4 sociétés d'État. Pour ce qui est des organigrammes approuvés, je vais juste vous donner lecture des ministères, des départements ministériels dont les organigrammes ont été approuvés. De même, je vous donnerai la liste des 8 départements ministériels où des nominations ont été également approuvées, ainsi que la liste des sociétés d'État où les nominations ont été approuvées. Pour ce qui est des organigrammes, les organigrammes du ministère de la fonction publique, du ministère des Transports, du ministère de la construction du logement et de l'urbanisme, du ministère du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, du ministère de la communication et de l'économie numérique, du ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, et du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale ont été adoptés. En ce qui concerne donc les propositions de nomination, des ministères du Plan et du Développement, ministère de la Fonction publique, ministère des Eaux et Forêts, ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, ministère des Ressources animales et halieutiques, ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et du ministère de l'Environnement et du Développement durable, donc ont été également adoptés. Donc les propositions de nomination de ces ministères sont passées. Enfin, en ce qui concerne les sociétés d'État, le guichet unique de développement des PME, le GUD-PME, Côte d'Ivoire Accompagnement PME, qu'on appelle en abrégé Côte d'Ivoire PME, Société de garantie des crédits des petites et moyennes entreprises, SGPME, et l'Agence nationale de l'habitat, en abrégé ANA, ont vu donc des nominations dans leurs différents conseils d'administration. Vous vous souvenez que pour les conseils des ministres du 6 juillet et du 13 juillet, je vous avais annoncé un ensemble donc de nominations dont je vous avais dit qu'il serait publié donc par voie de presse. Et bien, tout cet ensemble, c'est-à-dire aussi bien les nominations du 6 juillet, celles du 13 juillet et celles donc d'aujourd'hui, 3 août, seront publiées ensemble donc par voie de presse. Toujours en ce qui concerne les mesures individuelles, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de 2 ambassadeurs près de la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, Madame Ursula Faringer a été donc nommée, a eu l'agrément du Conseil pour sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Autriche près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar. Le même agrément a été donné pour la nomination de M. Idriss Boissila en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Enfin, pour les mesures individuelles toujours,
jours, et cette fois-ci au titre du ministère de la fonction publique en liaison avec le ministère du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a donné son accord pour le détachement de M. Doumbia Vakaramoko, administrateur en chef du travail et des lois sociales auprès de la Banque africaine de développement, la BAD. Les mesures individuelles vous ayant été communiquées, je voudrais aborder avec vous à présent les communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative à l'état d'exécution du programme social du gouvernement, PSGOUV, au 30 juin 2022. Les principaux résultats enregistrés au cours du premier semestre 2022 font état de l'intégration à la fonction publique de la quasi-totalité des 10 300 enseignants recrutés au PSGOUV 1. Vous savez que nous sommes dans le cadre de l'exécution donc du PSGOUV 2. Donc, toujours au titre de ce PSGOUV 2, les résultats permettent de noter la réception de 24 collèges de proximité sur 288, l'électrification de 277 localités, dont 37 dans les zones de fragilité, la réhabilitation de 1106 pompes à motricité humaine sur 2708 prévues et la maintenance de 10 639 PMH pompes à motricité humaine. Au cours de la même période, des kits d'accouchement ont été offerts à 119 101 femmes, des kits de césarienne et d'anesthésie générale ou de rachia anesthésie à 9 623 femmes. Au titre du paludisme, au total, 596 106 patients vulnérables ont été pris en charge. On dénombre parmi ces patients 72 491 femmes enceintes et 523 615 enfants de 0 à 4 ans. Le PSGOUV a permis également de vacciner 454 765 enfants de 0 à 11 mois au titre du Penta 3. Au total, 444 083 enfants contre la rougeole et la rubéole et 436 127 femmes enceintes contre le tétanos. Il est à noter également une amélioration de l'accès au sang depuis que la décision du plafonnement a été adoptée en plafonnant ce prix à 3 000 francs la poche. Le montant total engagé pour l'ensemble des réalisations au cours du premier semestre 2022 s'établit à 171,3 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution financière de 39,3%. Pour les défis, il faut noter que les défis pour le troisième trimestre portent essentiellement sur la généralisation de la couverture maladie universelle, l'amélioration de la traçabilité du sang, l'accélération de la passation des marchés pour le déploiement du programme d'entretien routier et la poursuite des programmes d'autonomisation dans les zones de fragilité. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, le Conseil a adopté une communication relative au report de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le SARA. Ce SARA devait se tenir donc du 25 novembre au 4 décembre 2022 et il a été donc reporté du vendredi 3 au dimanche 12 novembre 2023. Le gouvernement entend mettre à profit le temps de ce report pour l'achèvement des travaux de construction du parc des expositions et des ouvrages nécessaires au déroulement de l'événement fortement retardé par la crise sanitaire liée à la pandémie, donc la COVID-19. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, en liaison avec les ministères concernés,
le Conseil a adopté une communication relative à l'état d'exécution des fonds COVID à fin juin 2022. Au cours du premier semestre 2022, les quatre fonds COVID ont réalisé des opérations d'un montant de 10,65 milliards, portant à 168,38 milliards de francs CFA le montant total des décaissements de ces fonds depuis leur mise en place. Individuellement, par fonds, la situation se présente comme suit. Le FSGE, ou encore le Fonds de soutien aux grandes entreprises. Au premier semestre 2022, 7 entreprises ont bénéficié de 1,779 milliards de francs CFA. Depuis sa mise en place, ce fonds a soutenu 138 entreprises pour un montant total de 32,265 milliards de francs CFA. En ce qui concerne le FSPME, ou Fonds de soutien aux PME, du 1er janvier au 30 juin 2022, 30 PME ont été soutenues à hauteur de 877,35 millions. Ces opérations portent à 889 PME bénéficiaires pour un montant total de 44,409 milliards de francs CFA depuis la création de ce fonds. Pour ce qui est du FASI, le fonds d'appui au secteur informel. Au cours donc de la période indiquée, ce sont 429,25 millions de francs CFA de subventions qui ont été accordés à 1717 acteurs du secteur informel, portant ainsi le nombre total de bénéficiaires à 139 641 pour un montant total de 34,464 milliards de francs CFA depuis la mise en place du fonds. Et pour ce qui est du FSS, le Fonds spécial de solidarité et de soutien, au cours de ce premier semestre 2022, ce sont 7,566 milliards de transferts monétaires qui ont été effectués au profit de 100 875 ménages vulnérables. Depuis sa mise en place, le Fonds spécial de solidarité et de soutien a décaissé 56,2 milliards de francs CFA au profit de 431 930 ménages vulnérables bénéficiaires. 20 808 travailleurs mis en chômage du fait de la COVID-19 et 1 052 749 ménages abonnés au tarif social électricité et 472 972 abonnés au tarif social de la SODECI. Depuis leur mise en place, les quatre fonds COVID-19 ont été approvisionnés à hauteur de 220,5 milliards et ont décaissé 168,38 milliards, soit un taux de décaissement de 76,2%. Ainsi, ces fonds ont contribué activement à contenir les perturbations engendrées par la crise de la COVID-19 et à relancer l'activité économique nationale. À ce jour, la grande majorité des entreprises nationales se sont réajustées et insérées dans la dynamique de la reprise économique, comme l'atteste le faible niveau des opérations du premier trimestre 2022. Aussi, le Conseil a décidé de clôturer ces quatre fonds COVID mis en place dès le début de la pandémie. À cet effet, les organes de gestion de ces fonds disposent de la période allant jusqu'au 31 août 2022 pour le traitement de tous les dossiers encore en instance. Les modalités de dissolution de ces quatre fonds seront définies ultérieurement par ordonnance. Au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a adopté une communication relative aux résultats du baccalauréat session 2022 et au récapitulatif des examens à grand tirage de l'année 2021-2022.
de l'année scolaire 2021-2022. Les résultats du baccalauréat marquant la fin des examens à grand tirage au titre de l'année scolaire 2021-2022 ont été proclamés le 25 juin 2022, conformément au calendrier général des examens et concours scolaires. Ces dernières sessions du baccalauréat ont enregistré 319 847 candidats présents pour 325 545 candidats inscrits. 98 446 candidats ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 30,78% contre 29,24% pour les 297 840 candidats de l'année 2021. 45 857 filles ont été déclarées admises sur les 147 758 candidates présentes, soit 46,58% du taux national de réussite. 52 589 garçons ont été déclarés admis sur les 172 089 candidats présents, soit 53,42% du taux national de réussite. La direction régionale d'Abidjan 1 a enregistré le taux le plus élevé, soit 46,75%, représentant 8225 admis pour les 17 656 candidats présentés. Le récapitulatif des examens à grand tirage de la session 2022 fait ainsi état de 30,78% de taux d'admission au baccalauréat contre 29,24% en 2021, 28,89% de taux d'admission au BEPC contre 41,27% en 2021 et 64,76% d'admis au CEP contre 52,51% en 2021. Le Conseil note globalement une évolution positive des taux de réussite au baccalauréat et aux différents examens à grand tirage de la session 2022, en dépit d'un recul du taux d'admission enregistré à l'examen du BEPC. Aussi, le Conseil engage tous les acteurs du système éducatif national à poursuivre la modernisation des procédures des évaluations et à maintenir le cap de la promotion du mérite et de la performance dans la transparence. Toujours au titre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a adopté une seconde communication relative à l'organisation de la Journée internationale de l'alphabétisation qui aura lieu à Abidjan les 8 et 9 septembre 2022. Placée sous l'égide de l'UNESCO et la présence effective de Mme Stefana Giannini, directrice générale adjointe de l'UNESCO pour l'éducation, cette édition 2022 de la Journée internationale de l'alphabétisation aura pour thème « Transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation ». À cette occasion, environ 1000 délégués venant d'Afrique et du monde entier, notamment des membres de gouvernement des pays membres de l'UNESCO, des chercheurs, des experts, des partenaires et des donateurs, des membres de la société civile, des représentants des organisations internationales, tous engagés dans la lutte contre l'alphabétisme, sont attendus à Abidjan. Cette journée est placée sous le haut patronage de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'état de la mise en œuvre du plan de restructuration de la relance du Centre national de recherche agronomique, le CNRA, et à l'adoption des mesures urgentes et soutenues pour sa redynamisation. Compte tenu des difficultés structurelles et financières qui mettaient en péril la pérennité de ce centre d'excellence, le Conseil a adopté en mai 2018 un plan de restructuration et de relance du centre. Ce plan échelonné sur une période de 5 ans
est articulée autour de l'assainissement financier du CNRA, de sa transformation en une société anonyme à participation financière publique majoritaire. Le Conseil a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de réaménager l'équipe dirigeante et de mettre en place une stratégie de financement viable du CNRA. Toujours au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil a adopté une seconde communication relative, celle-là, au recrutement des enseignants-chercheurs et chercheurs au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Un total de 660 postes budgétaires, dont 450 postes en mesure nouvelle et 210 en glissement catégoriel, ont été consentis par le gouvernement pour la session de recrutement 2022. En définitive, sur les 660 postes alloués, il reste à pourvoir 102 postes, en plus des 50 postes réservés à l'Université de Bondoukou, dont l'ouverture est prévue pour cette année, en octobre 2022. Les 152 postes non pourvus feront l'objet d'une session complémentaire de recrutement d'assistants au mois d'octobre 2022. Au titre du ministère de la Santé, de l'hygiène publique, de la couverture maladie universelle et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au financement du projet de prise en charge chirurgicale pédiatrique et de renforcement des capacités de l'Institut de cardiologie d'Abidjan en vue de réaliser des opérations de chirurgie cardiaque. Ce projet vise essentiellement à assurer au personnel médical de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, toutes catégories confondues, une formation de perfectionnement professionnel de haut niveau, de façon à améliorer leurs aptitudes professionnelles et à accroître leur capacité à intervenir de manière autonome sur des pathologies cardiaques complexes sur le long terme. À cet effet, le projet prévoit le déplacement périodique d'une délégation de professionnels en Côte d'Ivoire, alterné avec le déplacement périodique d'une partie de l'équipe de l'Institut de cardiologie d'Abidjan à l'étranger, notamment en Israël, pour y poursuivre leur perfectionnement. Le projet prévoit la prise en charge de 30 enfants atteints de pathologies cardiaques complexes identifiés par l'Institut de cardiologie d'Abidjan afin de percevoir des soins médicaux intégrant des opérations chirurgicales conjointes de professionnels internationaux et de l'équipe de l'Institut. Voilà, mesdames et messieurs, le compte-rendu que je voulais vous faire donc de ce dernier Conseil des ministres. Deux points divers ont été évoqués. Il s'agit notamment de la fête nationale qui, vous le savez, se déroulera cette année à Yamoussoukro. Le Conseil a été informé de l'invitation du président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, qui sera présent. Il s'agit du président de la Guinée-Bissau, son Excellence, M. Sissoko Ombalo, et également donc de l'invitation du président du Libéria, son Excellence, M. George Weah. Ce dernier conseil, je vous l'ai dit, était le dernier donc avant les vacances gouvernementales, qui prennent effet à partir du 8 août, mais vous pouvez être assuré que des dispositions ont été prises pour assurer la continuité du fonctionnement du gouvernement à travers donc le déploiement d'un système de départ alternatif en congé afin d'assurer donc cette continuité du fonctionnement du gouvernement. Le prochain conseil est prévu pour le 7 septembre 2022 à la reprise donc. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition
pour d'éventuelles questions d'éclaircissement ou d'autres questions d'actualité, s'il y en avait également éventuellement. Bonjour, monsieur le ministre, Yapi Koulibaly pour le quotidien Le Jour Plus. La situation de nos 49 vaillants et valeureux militaires retenus injustement par la junte malienne à Bamako continue d'inquiéter le peuple de Côte d'Ivoire. Y a-t-il du nouveau dans l'affaire? Puis comment le gouvernement compte faire recouvrer la liberté à ses mères et pères de famille? Parce qu'il y a deux femmes là-dedans, Adèle et Awa. Merci pour cette question. Vous savez, le premier président de notre pays, son Excellence président Félix Houphouët-Boigny, avait coutume de dire que le dialogue était l'arme des forts. En ce qui concerne la situation de nos soldats, la Côte d'Ivoire a privilégié le dialogue. Le président du Togo s'est porté volontaire pour assurer une médiation et les discussions sont en cours donc, concernant le sujet de nos 49 soldats. Ce que je peux dire à l'endroit des familles, c'est de faire confiance en l'État, de faire confiance au chef de l'État. Vous savez, quand notre pays s'est battu pour que des citoyens qui avaient décidé de s'exiler puissent rentrer en toute sécurité, il n'y a pas de raison que ce pays ne se batte pas avec la même énergie pour que ses fils et ses filles en mission officielle ne regagnent donc leur pays. Nous pouvons les assurer que tout est mis en œuvre pour que nos soldats rejoignent leur famille, rejoignent leur patrie, rejoignent leur pays. Mais nous avons privilégié la négociation et c'est ce que nous faisons. Ce sera peut-être long, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire confiance en l'État et un dénouement heureux sera obtenu pour que ces soldats rejoignent donc leur famille. À ce sujet, il est d'ailleurs prévu que les autorités de la défense reçoivent les familles pour leur donner les dernières nouvelles concernant donc leurs enfants. Voilà ce que je peux dire en rassurant l'ensemble de la communauté nationale. Le pays, le chef de l'État en premier, met tout en œuvre pour que donc nos militaires retrouvent leur pays. Bonjour, Monsieur le ministre. Cyprien Kouassi pour Abidjan.net. Monsieur le ministre, tout à l'heure, dans vos propos, pour la grande messe de l'an 62 d'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire annonce la venue de M. Sissoko Koumbalo et M. Georges Weah. Au-delà de ces deux personnalités, est-ce que M. Laurent Gbagbo et M. Henri Conan Bédier sont invités à cette grande messe de la Côte d'Ivoire? Bien sûr qu'ils sont invités et je l'ai annoncé ici lors donc d'un conseil des ministres, le chef de l'État a invité les deux anciens présidents que sont M. Laurent Gbagbo et M. Henri Conan Bédier à participer donc à ces festivités. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Jules Legenda de RTCI.info. Monsieur le ministre, ma question va porter sur les billets, le CFA. Il se trouve qu'il y a beaucoup de billets mutilés. Aujourd'hui, avec la situation difficile pour les populations, on n'arrive pas à utiliser ces billets. Aucun communiqué n'est officiellement donné, alors que les commerçants refusent ces billets mutilés-là.
nous en avons assez, nous souffrons. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces billets-là soient repris? Enfin, peut-être que vous n'êtes pas commerçant, sinon en général, les banques récupèrent ces billets qui sont recyclés, et donc il suffit de vous adresser à une banque et vos billets seront récupérés. Donc il y a un processus, il y a un mécanisme qui est mis en place pour que régulièrement tous les billets usagés, mutilés, soient retirés de la circulation et des nouveaux billets sont mise en circulation. La BCAO s'occupe bien de ces questions-là. Bien, je note que nous n'avons pas d'autres questions. Et donc, sur cette question monétaire en cette période de vacances, je vous souhaite en tout cas de bons congés pour ceux qui voudront bien les prendre. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai donc le 7 septembre lors du compte-rendu du prochain Conseil des ministres. Je vous remercie.